Ah là là, on l'attendait celle-là, on l'attendait toutes et tous, qu'on soit sniper, performance ou même compétitif, même si ça m'étonnerait qu'elle soit compétitive, on attendait cette map, c'est la map Red qui a été enfin remake, après Skyjacket, le remake de High Jacket. cette fois-ci ils ont décidé enfin de nous mettre la map Red, et franchement on va être étonné, je suppose que vous allez être étonné en voyant bah, à quoi ressemble cette map, parce que c'est pas du tout futuriste, en effet, alors comme vous pouvez le voir sur cette image c'est dans un style euh, villa romaine, euh, à l'époque romaine bien évidemment, avec... Euh, fin, Enfin dans un espèce de petit palais et tout ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique que j'ai trouvé. Enfin, je, je, je la trouve franchement sublime et ça change un petit peu du côté futuriste qu'on a pu voir dans le jeu. Alors avant toute chose, je vais tout d'abord présenter le gameplay parce que la vidéo va durer un petit peu longtemps parce que j'ai quand même des choses à dire. Donc c'est un gameplay de Ziza qui nous a fait tout simplement une double nucléaire en groupe de 3 à l'ICR. Donc franchement, bravo à toi, une double nucléaire. C'est toujours sympathique. Et euh, bah franchement, un énorme GG à toi. Et bon, on va directement passer au sujet. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors, si on compare les deux maps, franchement, ça n'a rien à voir. Euh, la, la, le style de BO 2 n'a rien à voir avec celle de BO3 mais j'aime bien franchement j'apprécie et je pense que aussi vous, vous vous allez apprécier je trouve que bah, la map est jolie quoi et ça, et ça change du futuriste donc franchement j'aime bien ensuite alors pour parler un petit peu de la map on peut voir notamment qu'il y a un deuxième étage au niveau du middle je sais pas du tout si on pourra l'atteindre j'espère pas parce que je trouve que ça, ça pourrait tuer un petit peu la map mais après bah, dites moi vos avis dans les commentaires bien évidemment alors ensuite quand on regarde le middle franchement le middle est très beau vous avez l'arbre au milieu qui est bien respecté vous avez aussi les colonnes qui remplacent les pierres enfin tout est respecté même si le style est totalement différent tout est respecté est bien plus beau je trouve après c'est mon simple avis une fois de plus euh, les colonnes qui remplacent les rochers vous avez aussi le petit spot que, que vous pouvez faire en, en sniper ou même avec d'autres armes là vous tirez à travers le mur et ben bah, ça y est aussi mais par contre le mur a l'air plus épais donc est-ce qu'on pourra encore le faire est-ce qu'on pourra faire les fameux bah, first shot et mettre des triplets shot comme on faisait sur bo2 sur red euh, au début du jeu bien évidemment parce qu'après ça marchait plus vraiment hein, les mecs avaient compris la, la, la petite petite entourloupe donc voilà franchement la map est vraiment jolie ensuite je me suis un petit peu intéressé au sujet notamment avec l'écriture qui il y a sur le bâtiment à droite. Alors quand on regarde les écriteaux à droite, écrits en, éc en lettres d'or, pardon, c'est écrit tout simplement nocete Ipsum, qui en latin veut dire connais-toi toi-même, mais surtout cette inscription viendrait du ruine des ruines du temple d'Apollon à Delphes donc euh, qui était un temple mais avant d'être des ruines bien sûr, ça vous l'avez compris, et donc bah, tout simplement ça serait directement inspiré de là même si c'est des ruines, franchement bah, tu peux pas vraiment t'inspirer de ruines, si je vous mets une ou deux images vous verrez que c'est, voilà, c'est juste quelques colonnes au milieu d'un tas de débris mais voilà, sûrement que ça vient de là, enfin c'est sûr que ça vient de là. Et en tout cas, je trouve une fois de plus cette map très belle. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez appréciée. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler cette map de long en large en travers. Qu'est-ce qu'ils vont faire à la place des voitures, du fameux garage, qu'est-ce qu'ils vont faire au spawn. Enfin, franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. Franchement, je pense que ça peut faire quelque chose de très beau. Et dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Si vous la trouvez belle ou pas. Moi en tout cas je la trouve magnifique. Et est-ce que vous avez hâte de l'acheter? Est-ce que vous avez hâte de la voir? Et est-ce que vous, du coup, vous allez acheter le DLC ou pas Franchement, je pense que c'est un énorme énorme argument de vente et euh, je pense que ce peut-être ce DLC3 va bien se vendre donc voilà les gens c'était Bitrix j'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo et je remercie bah, code QG si jamais ils du plus de sa vidéo ça me ferait vraiment plaisir et je vous dis à très bientôt à toutes et à tous allez salut